Ok, donc bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur Subnautica, 13e épisode. Donc la dernière fois, on avait récupéré le Cyclope, en fait, à l'épisode 12. Juste comme ça, j'avais juste piffé un truc, je me suis dit, il faut peut-être retourner dans les zones où on était, tu sais, où il y avait les Léviathans un peu chiants là, très sombres, dans une zone un peu sombre. Où on avait vu un Léviathan, enfin un Léviathan fantôme, mais avec les sortes de monstres un peu électriques. Donc je suis retourné là, mais même avant d'aller là-bas, en fait, on a. Après j'avais vu un réacteur dans l'eau. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi un réacteur? Et là j'y vais, je vois qu'il n'y a personne, je le scanne. Et là en fait, il manquait plus que ça. Plus que ce fragment-là pour pouvoir en fait utiliser le cyclope. Du coup là, à la fin de l'épisode 12, bon je fais une sorte de résumé, hein. À la fin de l'épisode 12 en fait on a commencé à mettre la peinture, à essayer d'améliorer un peu le cyclope, on a même drop aussi, donc récupérer loot, un système de rendement moteur pour pouvoir en fait économiser l'énergie du moteur envoyé. Et du coup, bah, ça nous permet d'utiliser moins d'électricité en fait sur le moteur et ensuite pouvoir avoir une cadence raisonnable et de moins consommer. Mais le truc, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait en fait une sorte de bouclier ou en tout cas un moyen de défense. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait leurre. Donc c'est-à-dire qu'il y a moyen d'avoir un leurre. Mais le problème, c'est que je vois que le véhicule, il est très lent. Mais pour moi, ce que j'ai envie de faire actuellement, c'est retourner dans la zone. Vous vous rappelez la zone où, genre, en fait, on allait au fond de l'eau, il y avait une sorte d'arbre géant coloré, et où il y avait des sortes de raies manta, de raies, luminescentes, en fait, qu'on pouvait voir, en fait, à l'océan, et même il y avait des larves de lave. Problème, c'est que on peut aller jusqu'à 1300 en profondeur. Mon vaisseau, il pouvait aller jusqu'à 900, donc on pouvait pas aller en profondeur. Donc je me dis peut-être qu'avec le prawn accroché au cyclope, on puisse peut-être aller sous les 1300. Enfin, sous les 1000 mètres. Vous voyez? Alors. Ah oui, on avait drop ça aussi. Donc apparemment, ça, c'est un secret. Enfin, un secret, une poupée secrète, quoi. Qu'on a loot en fait littéralement dans une base que je n'avais jamais vue à côté de notre base. À 300 mètres là-bas, là, il y a ça. Donc, bon. Bref, du coup, on l'a mis dans le petit vaisseau. Voilà. Donc, on a mis lumière et tout, tout ce qui. Tout, itouti quenti. D'ailleurs, on va aller dans le vaisseau farmer. HUD scanner, donc ça c'est pas mal, ouais. Je vais aller retourner dans ma. Oh putain, ça éclaire énormément! Oh! Ah ouais, dingus! Je prends du café, c'est important. En fait, j'ai envie de faire une expédition et récupérer des ressources. Surtout que j'ai créé un modificateur dans le cyclope ainsi qu'un créateur. Enfin, tu sais, vous avez capté quoi. Et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, en plus, dans le vaisseau, il y a un disjoncteur. Enfin, un extincteur, pardon. Pourquoi j'ai dit un disjoncteur? Il y a un extincteur. D'ailleurs, on va prendre un peu de sel. Ça pourrait nous servir. Bon, on va pouvoir y aller. En plus, on a un modificateur, donc ça va être pas mal. Alors, direction. D'ailleurs, on a pris des balises aussi. Pour pouvoir en fait baliser la zone où on va. Si jamais on est dans une entrée d'une grotte unique ou spéciale, c'est pas mal. Alors. Ouais.
Quoique, le sel, je vais le mettre ici. Ça, c'est juste si jamais... si jamais je récupère... si jamais je récupère des poissons. D'accord. Station de modification. Fabricateur. Voilà. Et là, on a ramené notre prawn. Accès à amélioration. Oh, je peux avoir l'amélioration. Donc, il y a le la profondeur. 1300. C'est exceptionnel. Par contre, j'ai pas le leurre. Et je sais que je peux le créer, le leurre. Bref. Bon, on va commencer à voyager, à aller dans des zones un petit peu communes et terribles. Je vais mettre le moteur et je vais éteindre la lumière ici. C'est toujours mieux d'aller dans des zones... Bon, après, là, on y va un peu à l'aveugle parce que... Je sauvegarde. Mais si jamais on se fait éclater notre cyclope, voilà quoi. Oh, t'as même une alerte! Alors c'était C. Là c'est compliqué parce qu'on va dans des... On va aller dans... Enfin on va fouiller en soi mais... Ah ça fait flipper hein. Moi, je me souviens que dans cette zone-là, il y avait un... Il y avait un... Oh. Il y avait un sorte de Léviathan... Enfin, un Léviathan ici, ouais. Oh, ça fait peur. Pourquoi des poiscailles? Eh, j'ai trop peur. Je sais pas vous. Là, en plus, c'est très calme. J'ose pas trop parler parce que... On sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Ah oh bah tiens, Léviathan. Vitesse maximale. Je me casse de là. Donc apparemment, ce vaisseau-là, il peut aller à 500 en profondeur, c'est pas ouf, hein. Ouah, ça fait peur. Après, j'ai une balise, hein, mais... Je sais pas où je vais. Eh, je vous avoue, heureusement que j'ai une sauvegarde. Hein. Je pense que quand je suis parti dans la zone, là, j'aurais dû mettre une balise. On va pas aller dans la direction où il y a ma base quand même.
Je vais checker là. C'est en fait t'as un trou ici mais. C'est de la merde. C'est mieux de mettre la lumière en vrai, hein. On se sent plus en sécurité, non? Putain, mais c'est vrai que ce qui me fait un peu chier en soi, c'est que j'aurais dû mettre une balise à l'endroit où j'ai été au début. Attends, je vais aller en hauteur. Ouais, on va aller là-bas, là. C'est vrai qu'on a pas vraiment fouillé là-bas. Enfin, si, dans un sens, il y a l'île où on peut avoir, en fait, des graines, des trucs comme ça, hein. Mais derrière l'île, là-bas, on n'a jamais fait. Donc, on va pouvoir voir. Tu vois, en fait, les petits nuages, quand tu vois là-bas, les nuages, là, c'est que, en gros, c'est... En gros, c'est... C'est Oh putain. Ah, je me suis tapé un nénuphar là. En gros, les nuages camouflent les bases, donc bon. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc. On peut le réparer ou il se répare tout seul ou. I don't say. Eh, ça fait trop peur. Hein. Là, on va dans une zone un peu plus... Oh, je suis quoi, ça? Attends, d'où il y avait ça? Je l'avais pas fouillé, ça? Si, j'ai dû le fouiller, mais bizarre. D'ailleurs, il y a beaucoup de quartz. Mais je préfère garder mes stocks. Allez, là, j'aimerais bien drop. Enfin, en tout cas, trouver un truc sympa, quoi. Trouver une île, une zone, je sais pas. Quelque chose. En fait, le vaisseau, il est trop large, donc c'est chiant. Y a pas de manœuvrabilité. Là, en tout cas, ça va en profondeur. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, j'avoue, ça va en vraiment profondeur. Ça fait même peur. Et. En vrai, après, ça va. Putain.
Mais non, ma vie, elle va bien. Regarde, il y a ma vie à gauche. Ah, il y a une zone volcanique un peu, non? Oh, il y a une zone un peu... Ouais, il y a beaucoup d'espèces là, beaucoup de choses là. Coupe les moteurs. Ah oui, d'accord. Waouh! En fait, je me dis, est-ce que quand on va couper les moteurs, tu sais, il va nous oublier un peu. Et en plus, regarde, il nous a rien fait, un gars, la vie. On n'a rien. Ah, il est juste là-haut. Ok. Je regarde un truc, parce qu'il y a une zone un peu bizarre là. Dans cette zone, j'y suis jamais allé. Peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses. Qui sait? Toute façon, on peut même pas aller à 500 mètres de profondeur. Alors Et ça fait peur cette zone. Ah, il est là, regarde, Léviathan, il est à droite. Je l'ai vu avec mon œil de lynx. Attends, en vrai, on aurait peut-être dû mettre truc profondeur. Hein. Après, cette zone, je l'ai pas vraiment fouillée. Hein. Oh, je crois que c'est là l'entrée. Je crois que c'est là l'entrée. Pour aller dans la zone. Ouais, c'est là. Alors là, le problème que j'aimerais faire, c'est au minimum me mettre à une certaine profondeur. Au cas où, si genre je peux pas... Là je parle à moitié mais... Je vais éclairer mais en coupant les moteurs. D'ailleurs, est-ce que je peux voir si je peux pas mettre en profondeur avec... Si... Ah c'est vrai, Mark II, il me faut du plastacier, nickel. Bref. Alors attends, déjà, je vais sortir en... juste pour être safe déjà.
plume de Gabe. Oh, ça fait stylé cette zone. Oh. Tu sais, on croirait à un vaisseau, on est dans un monde parallèle. Le rubis, j'ai pas vraiment besoin. C'est le quartz pour l'instant. Voilà. Alors du coup, non, ça c'est la zone titane. J'avais mis ça là, donc on va mettre ça ici pour bien l'optimiser. Ouais, ça fait beaucoup là. Hein. Est-ce que la plante, elle a fait ses trucs? Oui! Voilà, exceptionnel. Alors du coup, on va pouvoir se barrer. Inspection. En plus, on peut ramasser les objets, mais c'est exceptionnel ça. Ouais, là, ce que je veux faire, c'est je veux juste au moins inspecter la zone. Au moins pour pouvoir voir où est l'entrée. Ça fait longtemps. Short range scans show a cave system rich in fossilized remains beneath this area. Ah oui, c'est vrai qu'il a un truc de stockage. Oh wow. Je mets mon truc ici. Je vais aller chercher le vaisseau. Au moins le rapprocher un peu. Oh putain, c'est là. C'est des trucs solides ça? Non, on peut les passer. Voilà. Voilà, on est bien. On n'est pas trop, tu vois, on est bien. Oh, c'est chaud là par contre. Oh! Mais ça va profond de malade! Mais c'est une dinguerie, wesh. Oh, maman. T'imagines, le vaisseau, il a combien? Il a 200 mètres de hauteur. Après, faut pas se douter, hein. Ouais, voilà. C'est bien ça.
Voilà, l'entrée, elle est donc là. C'était ici la source de chaleur. Donc en fait, ça veut dire... Oh d'ailleurs, ça je pense... Oh, j'ai opinion. Ça se chope, ça? Oh là. Bon, on va marcher. Hein. Alors, on était ici, tout s'était bien passé. Hein. Après, on a un couteau pour pouvoir, tu sais, voilà, les capter, pour pouvoir en fait avoir de la bouffe illimitée. Je vais essayer d'en prendre un maximum. Haute capacité. Ah oui, le stockage il est derrière. Ça fait flipper, hein. Parce que ici, dans cette zone-là, il y avait des bébés Léviathans. Hein. En gros, c'est un nid de Léviathan en soi. Ouah, ça fait peur. De toute façon, on a fait de save auto, hein. Je suis téméraire, le problème, c'est ça. Putain, mon vaisseau, il est loin. 400 mètres. En vrai, 400 mètres, ça va, c'est pas loin. En soi. Ah ouais, on va de plus en plus profond, là. Bon, ça me dérange pas, hein. Moi, ce que je veux, c'est juste pas me frotter au bébé Léviathan, c'est tout. Je prends ça parce que c'est des nutriments, donc c'est de la bouffe et de l'eau en même temps, donc je prends. Ah, c'est là-bas. Ah, mais c'est aussi ici qu'il y a un Léviathan. Oh! T'as vu? Au-dessus ma... Enfin, en dessous ma webcam? Terrain scans indicate this biome contains unusually high concentrations of organic and fossilized remains. T'as vu? S'il y a un truc en dessous, c'est-à-dire que... Il y a quelque chose qui se passe ici. Je commence à le manger lui parce que de toute façon il est en train de partir. Je vous avoue qu'il y a moyen qu'on fasse une save ici. Hein. Si mon vaisseau il sera en profondeur, je serais venu là. Hein. Rien à foutre. Je serais descendu de là-bas. Tu vois. Mais là, là on est dans une zone... Là c'est l'aventure. Hein. Non mais regarde comment il y en a plein. Moi je les récupère tous, hein, parce que c'est 5 de chaque. C'est ça, hein. Ouais, 5 et 4. Multiplié par un nombre... Voilà, c'est bien.
Ok, il commence à voir les monstres. Donc en fait, ici, c'est le nid du Léviathan. Donc ça veut dire que normalement, plus loin là-bas, il est censé avoir... Ah bah regarde, il est là, le Léviathan. Je vais y aller, faut que je fasse gaffe. Parce qu'il m'attaque. Bon, je pense pas que je meurs. Mais il me fait des dégâts. Il me fait mal, quoi. Je pense, hein. Adieu le vaisseau. On se reverra plus tard. J'espère juste que avec 1300 en profondeur, je pourrai aller dans la zone, tu vois. J'espère juste, moi. Je vais fouiller toute la zone. La seule chose que je vais ramener, c'est de la bouffe. Ah, tu vois, ça redescend encore. Ah bah de toute façon, moi j'ai pas peur, hein. Je sais que j'ai une sauvegarde en backup à côté. C'est quoi ça? Tu vois, à l'intérieur, t'es bien. Attends, c'était quoi ça? Échantillon de corail plat. Ah ouais, on en drop aussi ici. Mais c'est bizarre, ici, ils sont verts. Ouais. Donc en fait, là, ici, c'est une source de chaleur. Hein. Tu y vas, c'est chaud. Oh là là! Mais je crois que j'y suis déjà allé. Moi, c'est l'arbre que je recherche. Je sais que l'arbre il est pas loin, ça c'est sûr. Donc ici c'était la base. Est-ce que faut que j'aille voir. Est-ce que faut que j'aille ici pour pouvoir voir l'arbre? Je crois que c'est ça. Faut aller un peu plus loin et derrière t'auras l'arbre. Oh putain. Faut que je fasse gaffe avec eux parce que... Eux, ils peuvent te TP. Hein. Ouais, je pense que ça devrait être derrière. Hein. Ah, c'est peut-être là-bas. Là-bas, là. Ouais, ça a l'air d'être plus profond. Ouais, tu vois, regarde. Quand ça s'écoule comme ça, c'est qu'il y a un trou. En plus, quand je suis à l'intérieur de ce vaisseau-là, qui peut aller à une certaine profondeur... Bah, je suis bien. Par contre, je veux juste que ça soit 1300. Hein. Si je vois que c'est plus profond, ça fait chier quoi. T'imagines, c'est 1008. Envie de canner. Putain, y a encore ces monstres-là? Moi, ce que j'aimerais, c'est au moins... Parce qu'il est où, mon vaisseau? Putain,
Putain, il est à 1700. Ah oui, c'est la deuxième phase, oui. Normalement, t'as deux ou trois... Deux Léviathans, je crois, ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'angle, là-bas. Comme ça, il va pouvoir attaquer ses... je sais pas... Ses ennemis, tranquilles, là. Comme ça, il va me lâcher. Ah, il est là-bas, lui, le Léviathan. On le voit là-bas là. Ça fait peur, hein. Oh, oh, une zone de lave. Mais attends, c'est une dinguerie là. Mais attends, on est dans quoi là? On est dans le Seigneur des Anneaux ou quoi là? On est dans le Mordor. Oh, mais attends, c'est un... On arrive où? Dans les enfers ou quoi là? On est sur Doom? Qu'est-ce que c'est cette merde? Attends, on est où? On est sur quoi? On est sur Doom, ça y est. Oh! Oh, c'est ça que je recherche! Vous vous rappelez la dernière fois, on voulait faire un craft à l'épisode 12? Alors attends. Je vais déjà manger. C'est peut-être un coupeur laser, mais i5. Bah de toute façon, ouais, mais ça, je peux même pas le... Putain, je peux même pas le récupérer. Mais qu'est-ce qu'il me faudrait en fait pour pouvoir crafter pour y a pas un outil? Peut-être que c'est un outil pour un pour le prône par exemple. Bras de forage pour prône. C'est 100% ça. Alors attends, je vais mettre mon arme, déjà. On sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, là, parce que là... C'est galère. Attends, on est quasiment à 1200 et... De l'or ici. C'est du nickel ça. Ouais, ça c'est important. Ça. Et si je dois aller encore à une profondeur encore, je vais pleurer là. Y a un autre Léviathan? C'est quoi ça? On a trouvé le Kraken! Attends, il m'a pas repéré au moins. Magmarang.
C'est vrai que j'ai très soif, hein. Eh, si genre je vais là-bas. Un blockade en fait. Ah oui, d'accord. Ah, c'est chaud là. Oh là là. Oh là là! Je le répare. Je peux pas scanner? Ah si. Dragon des mers Léviathan. Elles sont violentes dans cette zone. Peut-être qu'il protégeait un truc, je sais pas. Oh, mais ça va encore plus bas, non, mais c'est pas possible. Oh là là! Oh, il m'a chopé. Oh, c'est la guerre ici.
En fait, là, le problème, c'est que... Attends. Attends, mais c'est une dinguerie, pourquoi il y en a un en face? Je vais essayer de remonter. Je suis pas sûr. Ça serait bien. Non. I don't want. Non. Quelle horreur. Ouais, mais attends, comment tu veux que j'aille tout là-haut? J'ai même pas de jetpack. Ça, c'est dur, hein. Ah, peut-être que par là, je peux monter. En fait, pour pouvoir récupérer ces ressources, il me fallait un foreuse de bras. Et je l'ai, hein, mais c'est juste que je l'ai pas... Dégage. Ah, c'est chaud, hein. Putain, c'est chaud cette merde. Et je crois que je vais être obligé de recommencer parce que si j'ai plus de batterie dans mon véhicule, comment tu veux que je fasse? Je bouge plus. Oh! Il y a quelques... Wow. Vas-y, je sais même pas où faut aller.
sais même pas où faut aller. Ah, cette zone, elle est un petit peu... Elle est moins volcanique. Elle est redevenue volcanique. Ah, là, peut-être, là. Tout ça parce qu'on n'a pas de bras de forage. Bon, je suis pas sûr de pouvoir rester, mais bon. Bon, en tout cas, il fait 50 degrés, hein. Bah tiens, je viens de louper un lithium. Génial. Après le lithium, tout ça, je peux en avoir plein, hein. Ah, c'est risqué, hein. En plus, là, si je tombe en bas, c'est fini. Tu vois, j'ai l'impression que là c'est mieux. Je me sens mieux là. Ah ouais, là je me souviens là. Je pense qu'il faudrait peut-être que je me crée une base ici en fait. Ouais, alors là, si j'arrive à aller dans ma base sans problème, je pense pas, hein. À mon avis, si j'ai plus de batterie, le vaisseau, enfin le truc, il va plus bouger, je pense, jusqu'à qu'il en récupère une autre.
J'ai mis une balise volcano. Donc le fameux arbre. Ouais, ça serait cool que je puisse rentrer, mais bon. J'ai un peu des doutes, hein. Être à l'arbre et avoir 10% d'énergie dans ton truc, je pense que j'aurais dû prévoir des pills. Enfin, pas des pills, mais des batteries haute capacité, quoi. Je pense que ça m'aurait permis... Je pensais pas que... En fait, en termes de réparation, c'est ok. Mais en termes d'énergie, c'est pas assez. Si j'arrive au minimum à avancer, ça serait pas mal déjà. Juste faire des petits jumps. Ça se consomme trop vite l'énergie. On remonte un peu. À 800, c'est chaud, hein, de là à là-bas. T'imagines, on die au moment... Enfin, on va pas die, là, parce qu'on est à l'abri, en soi. Mais du coup, s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de moyen de respirer, en fait, non? Quoique, peut-être qu'il y a moyen que je rentre, hein. Avec 200 en respiration, ça passe. Mais comme par hasard. Putain. Après, bon, il est là, ça va quoi. C'est pas comme si... au moins, tu vois, je me rapproche. Ouah, ça va. Ça va en vrai, hein. Je pensais que c'était pire que ça. Ah ouais, putain, il y a les servomanes. Attends, en plus, il manquait quoi? Tu me laissais 5 minutes. Tu me laissais 5 minutes et c'était bon. De fou. Donc la bouffe, c'est bon. Bon, c'est pas vraiment ce que j'ai récupéré en soi, mais ça va quoi. Comment on fait déjà une pile haute capacité? Je doute que je puisse en faire une là, mais. Ouais. Il faut deux piles et du silicone.
Donc champignons. Attends, je vais tenter un truc. Pas sûr. Ah mais non, parce que les champignons, en fait, je voulais faire quoi? Je voulais en fait élever des champignons. Mais le problème, c'est que... Bah là, le but, c'est que... Putain. Bah au pire, on prend une autre balise. On la place ici. Comme ça, au moins, on va savoir. Putain, je peux même pas faire le hé là! On va écrire comme ça, c'est mieux. J'essaie de farmer un peu plus ici. Voilà. Alors du coup, dégâts. Ça dégage. Ça, de toute façon, ça, on l'enlève. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on sait que c'est chez moi. Ça, le cyclope, faut... Ouais. Combinaison, ça aussi. Balise volcano. On va la mettre orange. Ça, on l'enlève parce que c'est chez moi. Début volcano. Hop. Au pire, on enlève ça et on met la... On met... cette balise. Ça, c'est chez moi en soi. Parce que tu vois, il y a même mon vaisseau qui s'affiche en haut à gauche en fait. Donc du coup, ça c'est la balise de chez moi. Là, c'est le début de la zone volcano. Là, c'est volcano. Et il y a mon truc qui est là. Envie de pleurer. Putain. Ça fait chier. Après, dans un sens, tu vois, le temps que je suis descendu, ça a repoussé, donc je peux me nourrir et tout, hein. On va essayer de farmer un peu plus ici, quoi. Le quartz, on en a pas vraiment... Ah non, l'huile là, ça là, c'est bon, j'en ai des milliards. Est-ce que je peux faire du cuivre avec... Enfin, des pierres. Est-ce que je peux, par exemple, simple question, genre cut ça? Ah, dommage. Ça aurait été tellement bien, ça m'aurait fait des racines ou des trucs. Non. On est vraiment dans une zone de chiasse. En plus, juste en dessous, t'as les crabos, les grosses têtes. Terrible. Voilà, c'est pas mal. J'ai mis du quartz ici parce que ça peut toujours servir. Je veux voir en fait en haut, est-ce que je peux faire des choses intéressantes. Déjà, on peut couper ça déjà.
Ah mais non, mais si je coupe l'énergie, on peut pas, non? Bon, ça change rien. Alors, c'était quoi déjà que je voulais me faire? C'était pour faire des piles. Ah non, il faut champignons acides, d'accord? Donc on peut pas utiliser des... Champignons abyssales, quoi! Donc lui, il est plein. Lui, il est plein. Lui, il est semi-plein. Donc on va le re-remplir. Autant le remplir à fond, hein. Le quartz, en fait, j'ai tellement la flemme des fois de... Oh. De récupérer du quartz que... Autant farmer ici. Hein. T'as vu? Oh putain! Oh, la pression que j'ai eue là! En tout cas, ici, il y a plein de quartz, hein. C'est une aubaine. Oh, il y en a énormément. Voilà, le seul problème, c'est que ça me fait chier de laisser mon prawn ici, du coup. Alors, lui, ça c'est bon. Lui, ça c'est bon. Lui, ça c'est bon. Lui, ça c'est bon. Lui. Bah là, on l'a quasiment full. Là, on l'a quasiment full, c'est bien. Une sauvegarde, vu que du coup on est dans notre base. Problème. C'est qu'on aurait dû peut-être prévoir des piles hautes. T'as capté, hein. En plus, il est full et tout, hein. Ouais, ça fait un peu chier, ouais, je t'avoue. Parce qu'en fait, pour pouvoir faire des piles de capacité, il faut 2 piles. Donc, ce qui veut dire qu'il faut 4 champignons acides et 2 minerais de cuivre, déjà. Ensuite, il faut un caoutchouc et ça te fait ça. Sauf que le caoutchouc, il est loin, loin, loin. Là, on est en profondeur avec des plantes, tu vois. Et en fait, pour pouvoir récupérer ces trucs-là, c'est soit retourner dans ma base ou soit remonter dans la zone normale, c'est-à-dire à 1000 mètres, en fait, plus loin. Donc, c'est un peu chiant. Voilà. Après, dans un sens, on a mis truc zone et tout, hein, donc c'est pas vraiment grave. Hein. Parce que maintenant, on sait le début de la zone. D'ailleurs, je sais même pas si je peux remonter, en fait. Ah si, attends. Attends, quoique... Si, si, si. Regarde. Tout autour, là, c'est une grotte. Et là, tu vois, il y a un petit creux, là. C'est une zone, en fait, où je peux ressortir avec le vaisseau. Ok. Bah, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On fait une sauvegarde ici. Et la prochaine fois, on reprendra ici. Et on essaiera de sortir, déjà. Ensuite, récupérer tout ce qu'il faut et tout. Et qu'on fasse un stock de piles à haute capacité dans notre base, dans notre vaisseau là. Comme ça au moins, parce qu'en fait, je suis parti à l'aveuglette. Je pensais pas que ça allait se décharger rapidement et malheureusement, si. En soi, si j'aurais eu du temps, je serais parti plus tôt. Si en soi, j'aurais pas fait la merde à jump dans un endroit volcanique. Après, pour ma défense, je voyais rien, c'était tout ressemblant, il y avait de la brume et tout. Bon, d'ailleurs, il faut que je montre et que je lise la description du monstre que je viens de voir. Forme de vie indigène. Faune, Léviathan. Oh, dragon des mers, Léviathan.
Ces mots, ça vibre. Ah mais non, mais c'est quand t'es comme ça en fait. Ah, je t'avoue, c'est bizarre. Bref. Dragon des mers Léviathan. Un Léviathan colossal. Au trait reptilien. Aperçu rôdant au cœur du cratère volcanique qui supporte la vie dans la région. Le spécimen scanné mesure 112 mètres de long. Donc en fait, ouais, il résiste à la chaleur, normal. Ouais, en fait, le gars, il a de la roche collée sur lui, quoi. Donc il résiste à des températures extrêmes. Elle semble même capable de consommer la matière fondue et la protéger sur ses adversaires. Projeter sur ses adversaires, pardon. Comportement. Cette espèce étant la plus grande existence sur 45-46B, à peu près, toutes les autres sont des proies potentielles. Avec peu de cibles potentielles dans les réseaux de caves volcaniques. Le dragon des mers s'aventure probablement dans des eaux plus froides pour chasser d'autres léviathans plus petits. Ou il les rabat et les force à descendre plus profondément jusqu'à ce qu'ils meurent bouillis. Et bah c'est ce qui s'est passé. Parce que à un moment il m'avait chopé. Et ce con, il m'a mis directement dans la zone de lave, en fait. Tu sais, il m'a mis sur la lave. C'est un malade. La taille des dragons de mer et les contraintes de place imposées par le réseau de caves qu'ils habitent suggèrent que leur population est très réduite. Peut-être inférieure à 10 individus. S'il n'est pas habituel pour les plus grands prédateurs de présenter de petites populations, il est possible que les sources de nourriture de dragons des mers aient fortement diminué au fil du temps. Cette espèce pourrait être au bord de l'extinction. Analyse, extrême dangerosité à éviter en toutes circonstances. Putain, c'est une dinguerie ça. Après, il y avait plein de Léviathans qu'on a vus, tu vois. Mais il y a un autre Léviathan qu'on n'a pas vu. Mais par contre, il est beaucoup trop dangereux. On l'a vu littéralement au début de l'épisode. Donc, c'est le Léviathan, je sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi son nom. Je sais juste que c'est un Léviathan, mais je sais pas. Bon, en tout cas, on a vu un Léviathan et ça, c'est vraiment pas mal. Avant, je vous avoue, avant, on avait juste ça. Enfin, on avait juste ça. Après, on a évolué avec Dragon Pèlerin. Et on a scanné ça, jeune Léviathan fantôme, et après voilà. C'est vrai que lui était dangereux, hein. Lui il pouvait te choper, t'attirer dans les profondeurs, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est merveilleux. Je coupe le moteur mais j'allume la lumière quand même. Hop. C'est comme si c'était ma base en soi, mais... Bon, toi, t'as de la bouffe et tout, t'as tout ce qu'il faut, mais il manque quand même des ressources importantes. Pas de véhicule. Ouais. Bah, il est à 400 mètres, le bougre. Tu m'étonnes. Par contre, tu vois, sur ce vaisseau-là, t'as trois batteries là, tu vois. Et t'en as une qui est à 70%, tu vois. Et les autres sont à 100%. Et il me semble que... Attends. Et il me semble que là, t'en as d'autres. Tu vois, au cas où, si jamais il y a un problème. T'as vu? C'est trop bien. Bref, du coup, moi, je vais me stopper là pour cet épisode qui a été mouvementé et triste à la fois. Parce que mon vaisseau... Bah, en fait, je suis content parce que j'ai pu avoir, en fait, la zone volcano. J'ai pu mettre une balise là et une balise à l'entrée. Toujours avoir deux balises avec soi, c'est important parce que pour pouvoir faire la zone et le début de zone, pour rentrer et accéder à la zone principale. Bon, problème, c'est que ouais, j'ai laissé mon vaisseau là-bas. Il a 400 mètres de profondeur, en vrai, il n'est pas vraiment profond. Hein. Mais bon, on verra donc ça la prochaine fois. Donc, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye à tous.